C'est vrai que ça fait quelques années maintenant que je n'avais pas gagné sur le tour. On en a parlé cette semaine quand j'ai bien commencé. Je pensais que j'avais vraiment mes chances de gagner ici parce que c'est un parcours que j'adore. Je joue souvent très bien ici. J'avais fini déjà second il y a 2 ans, je crois. Et je pensais que ça pouvait arriver cette semaine. Et terminer comme ça, en plus avec un finish pareil, c'est vraiment de belles émotions. C'est génial, je suis resté concentré, je me suis battu jusqu'à la fin, même après mes deux bogeys aujourd'hui, 13-14, qui ont été difficiles à digérer. Je suis resté vraiment concentré et terminé comme ça, gagner ici au Celtic Manor, là où l'Europe a gagné la Ryder Cup il y a 3 ans, c'est juste un peu magique. Il y avait beaucoup d'émotions parce que je savais qu'il fallait que je termine fort. Peter Yulen est un très bon joueur aussi. Je savais qu'il allait bien terminer. Et après ces birdies 16, 17, je savais qu'il fallait ce birdie au 18 avec ce long putt que j'ai mis. Et c'est pour ça que j'avais tellement d'envie en moi que ça s'est ressenti dans mes points levés. Donc c'est juste vraiment de très très belles émotions. Hein.